niveau 70 avant de démarrer la, le dernier chapitre. Ça y est, Mitra, je veux parler. Allez, c'est parti du coup. L'invocateur invoqué. On va récupérer l'invocation de Bahamut. Cool. Et une tenue, du coup, d'invocateur. Ah, peuple, tu tombes bien. Je pense que nous allons pouvoir nous rendre au laboratoire de magismologie d'Azisla. Je me suis renseigné auprès de ma sœur et elle m'a dit que l'endroit était particulièrement dangereux. Nous aurons donc tout intérêt à ne pas nous y attarder outre mesure. Si j'ai bien compris, un des terminaux qui se trouve là-bas devrait nous permettre de découvrir l'endroit où sont scellés les résultats de recherche de Sari. Ce sera donc notre premier objectif une fois sur place. Je vais demander au capitaine d'Antigolf et à ses hommes de nous accompagner. Prépare-toi bien et retrouvons-nous au lieu appelé l'hélice. Moment quand t'es pas venu à Azisla. C'était juste pour faire des réparations avant. Ok. Alors, Yamintra est là. Mais je dois admettre que cet endroit dépasse mes attentes quant au dépaysement. Mais nous n'avons pas vraiment le temps d'admirer le décor. Séparons-nous pour localiser le terminal d'archives du laboratoire. Ce que nous voulons, c'est découvrir où sont conservés les résultats des recherches de Sari et le chemin le plus court pour y parvenir, n'est-ce pas? Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre le grappin sur le clone et lui faire sa fête. Comptez sur nous. Merci à tous. Une précision toutefois, nous ne pouvons pas affirmer qu'il s'agit vraiment d'un clone à mon avis. Être artificiel ou pas, une chose est sûre, il est vivant. J'ai toutefois l'impression que cet individu est pour le moins spécial. Je partage ce sentiment. Quoi qu'il en soit, nous devons l'éliminer pour libérer Pim du verrou placé sur lui. En fin de compte, le résultat est le même, pas vrai? En effet. Commençons par trouver le terminal d'archives du laboratoire. Peuple, j'aimerais que tu concentres tes recherches sur les alentours de la statue, des statues sur le navire amiral. Il n'est pas impossible que notre ennemi cherche à nous mettre des bâtons dans les roues. Alors restez bien sur vos gardes. Ok. Où est-ce qu'on va du coup? Ok, on va là-haut. Hop, il est là. Alors, il va juste falloir le temps de monter jusqu'au vaisseau mère. Pam, 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 pam. Ok, c'est là. Ok.
Voilà. J'étais sûr que ce serait toi qui trouverais ce terminal en premier. Une preuve de plus que tu es un invocateur dont le pouvoir et l'intellect peuvent dépasser ceux du grand Sari. Pup, tout va bien? Comme prévu, le clone a montré le bout de son nez. Le clone? C'est la conclusion que vous avez tirée de notre précédente rencontre? Dans ce cas, je suis heureux de vous dire que je ne suis pas un vulgaire être artificiel et imparfait. Vous êtes venu pour m'éliminer, n'est-ce pas? Si vous m'affrontez avec ce genre d'idées fausses, vous risquez de sérieusement vous en mordre les doigts. Je vais attendre au fond du laboratoire de magismologie. Ce sera ta véritable dernière épreuve. Si tu échoues, non seulement tu ne sauras pas qui je suis, mais en plus tu mourras. Il s'est encore enfui. Pup, tu l'as vu? La façon dont il a disparu? Ça ressemblait au phénomène qui s'est produit quand tu renvoies un de tes aiguilles. Ça signifierait qu'il ne s'agissait pas d'un clone, mais d'un être éthéré ayant l'apparence de Sari. Pourtant, il a bien l'impression d'être en chair et de sang. Ça semble tout à fait déconcertant. Mais d'un point de vue théorique, il est tout à fait possible de reproduire un corps analogue à celui d'un être humain, en faisant appel aux capacités d'une machine de calcul. Il aurait été invoqué sans grimoire. Là aussi, les résultats des recherches de Sari permettent de donner une explication. Ce qui a servi de substitut à un grimoire, c'est le terminal qui est ici. Je comprends mieux maintenant. Sur le rocher des tréfonds, c'est un mémolite qui avait joué ce rôle. Autrement dit, notre adversaire peut apparaître partout où il y a un appareil à la gua. Une forme de magie invocatrice décuplée par la magismologie. Tout indique que cet homme est un produit. En est le produit. Il demeure toutefois une énigme. Même si une machine a rempli le rôle de grimoire, il faut quand même un invocateur. Qui est-il et où se cache-t-il? Ah, j'y avais pas pensé. Nous aurons donc beau vaincre cette imitation de Sari, il réapparaîtra tant que celui qui l'a appelé sera vivant. Une chose est sûre, il se cache forcément dans les environs. Les aiguilles ne peuvent se manifester que près de leur maître. Il n'y a pas d'exception à la règle. Si l'invocateur ne s'est pas montré jusqu'à présent, c'est probablement par peur d'être attaqué. Compte tenu du nombre de machines ici, il jouit d'une grande liberté de mouvement. Insinues-tu qu'il sera plus puissant que sur le rocher du tréfonds? Autant lui mettre la main dessus le plus vite possible. Si nous ne voulons pas avoir une... chance de nous en tirer vivre, alors. J'ai gardé un atout dans ma manche. Ma sœur Yashtela m'a prêté un éthérimètre pour ce genre d'occasion. Je vais m'en servir pour essayer de dénicher cet invocateur. Bien joué, Yamitra. Bon, il est temps de nous mettre au travail. Crispin, Denise, Yaya, Samu, je vous confie la tâche d'ouvrir la voie pour nous. À vos ordres, mon capitaine. Bonne chance à vous trois. J'espère que vous retrouverez notre adversaire rapidement. Alors, on est parti du coup pour une bataille. Vous êtes prêts, Pup? Entrons dans le laboratoire de magismologie et donnons une bonne leçon à ce clone. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un clone, mais d'un aiguille, capitaine. Et puis, notre véritable objectif, c'est plutôt de celui qui l'a invoqué. Oui, je le sais bien. Jaja Samu, Crispin, Denise, passez devant. À vos ordres, mon capitaine. Yamitra, nous comptons sur vous pour trouver où se cache l'invocateur. Allez, en route. Allez, c'est parti pour la bataille. Je le savais. Comme je m'y attendais, vous avez surmonté la dernière épreuve et êtes arrivé jusqu'ici. Yamitra, c'est le moment d'utiliser votre appareil afin de localiser celui qui l'a invoqué. Je vais détourner son attention en parlant afin de vous faire gagner du temps.
Tout ce que nous voulons, c'est retirer le verrou que tu as placé sur Principia Invocationis Magisae. Si c'est possible, de manière pacifique. Malheureusement, je ne peux pas accéder à cette requête. Cela irait à l'encontre du rôle que l'on m'a donné. J'imagine que vous avez enfin compris ce que je suis en réalité. Oui, vous êtes un Negi qui a donné l'apparence de Sari et mis au point grâce à la combinaison de la magie invocatrice et de la magismologie. Si mon créateur était certes le dernier grand pratiquant de cette discipline, je crois que vous êtes n'êtes qu'un vulgaire copie et que vous êtes loin d'égaler le niveau de maîtrise de quelqu'un comme Pup qui s'entraîne durement tous les jours. Hélas, tu te trompes mon ami. J'ai été conçu de manière à pouvoir décupler mon pouvoir afin de faire face à des menaces supérieures. Pour vous expliquer ça autrement, en cas de rencontre avec une personne dont le potentiel dépasse celui de Sari, j'ai pour mission de la vaincre et d'en faire un nouvel Egi. Quoi ? Tu veux dire que tu comptes tuer Pup et en faire un familier ? Exactement. Vous comprenez désormais qu'il n'y avait pas d'issue pacifique dès le début. Mais c'est complètement illogique. Tuer Pup alors qu'il se bat afin de protéger les gens de la menace des divinités guerrières va à l'encontre du but même de la magie invocatrice. Yamitra, toujours aucun signe de l'invocateur. Si, je viens juste de le trouver. Et je veux dire que son camouflage anti-élémentaire... Son camouflage anti-élémentaire, il aurait du mal à se cacher étant donné sa taille. Il est là. Bravo, vous avez découvert le plus grand chef-d'œuvre de Sari, la sphère d'invocation. Une intelligence artificielle capable d'appeler des aiguilles. Ce mécanisme surpasse largement les capacités d'un familier primitif créé avec la magie, comme ce brave Principia Invocationis Magisae. Croyez-vous vraiment avoir la moindre chance de nous vaincre? Bah on va essayer. Maître, vous n'avez rien à envier à une vieille machine dont les fonctions logiques ont court-circuité. Faites-moi une faveur et envoyez-le ce tas de ferraille au rebut. Allez, c'est parti pour la bataille. Nouvelle invocation de Sari. J'aurais bien besoin d'une bonne guérison par contre. Ok, on est plus sur du Sari là. Un minotaure.
Erreur détectée dans le système de récupération. Activation des mécanismes de défense. À éliminer le système de contrôle de sphère détruit, nous y sommes presque maîtres. Allez, on l'a pourvu. Hop, nous avons réussi. Félicitations, maître. Si vous voulez mon avis, nous ferions mieux de partir d'ici rapidement. Et mission accomplie. Nickel. On a réussi, Pop. Le capitaine Dancing Wolf m'a dit que tu voulais rester un peu dans le laboratoire pour examiner certains appareils. Je lui ai proposé de l'aider, mais il a refusé. Oui, il a insisté qu'on ressorte pour prendre l'air après toutes ces émotions. Enfin, si jamais il y a un problème, Denise, Yatsu et moi irons lui donner un coup de main. Laissez-moi vous féliciter. Vous allez désormais pouvoir apprendre les secrets de la magie invocatrice que renferme Pym, maintenant que le verrou a disparu. Oh, je veux dire que vous avez mené un second combat rondement, maître. Étant qu'un familier, je ne suis pas vraiment capable de ressentir des émotions, mais j'ai l'impression d'être plus léger. Avec ça, tu vas forcément devenir plus puissant, Pup. Mais je me dis que ça fera également de toi un bien meilleur modèle pour nous, pour les invocateurs de l'ancien empire d'Alag. En fait, je crois que mon éveil aura servi quelque chose à transmettre des savoirs utiles aux gens de cette époque. C'était ce que mon créateur, le grand Sari, désirait du temps où il était bon. Pup, Bim, je pense que nous ferions mieux de rentrer à Gridania. Yriette Samou, Denise Crispin, merci encore pour votre aide. Ok, on retourne du coup à Gridania. Terminer cette mission et récupérer du coup l'invocation Bahamut.
Eh bien, je crois qu'une fois de plus, nous avons fait pas mal de découvertes, Pep. Personnellement, je ne pensais pas que ça nous conduirait jusqu'à un endroit situé dans les cieux. Oui, ça a pris plus longtemps que prévu, mais je suis désormais en mesure de vous transmettre mes secrets en matière de magie invocatrice, maître. Si vous voulez bien vous approcher un peu... Bravo, Pape. Tu as acquis les savoirs du grand invocateur d'Alag. Au fait, je crois que vous avez quelque chose à nous dire, capitaine. En effet, en inspectant l'intérieur de la sphère d'invocation, j'y ai découvert plusieurs cristaux d'âme. D'après ce que m'a expliqué Pim, il s'agissait de ceux qui appartenaient aux disciples de Sari. Il y avait aussi des mémo quartz faisant état des événements qui se sont produits à la fin de la vie de Sari, n'est-ce pas? Il prouve, comme nous le pensions, que sa personnalité a beaucoup changé après avoir perdu ses élèves. L'optimisme qui l'avait conduit à vouloir transmettre toutes ses connaissances relatives à la magie invocatrice et aux générations futures a alors fait place à un ardent désir de combiner cette discipline à la magismologie. Oui, c'est ainsi qu'il a mis au point cette sphère d'invocation. En collectant les cristaux d'âme à un puissant calculateur, il en a fait une dangereuse arme capable de contrôler plusieurs aiguilles à la fois. Il a ensuite programmé cette machine pour qu'elle protège l'humanité. C'est à cette occasion qu'il a laissé le tuer. Lui était le plus grand invocateur de l'époque, afin qu'elle puisse faire de lui un de ses familiers. Nous avons désormais la fin mot de cette triste histoire, et pourquoi nous avons eu affaire à des copies de Sari. Toujours est-il qu'il est difficile de comprendre comment il en est arrivé à cette idée. Qui sait, sans doute a-t-il voulu persévérer l'espoir, préserver l'espoir qu'il avait dans l'avenir, sous la forme de cristaux d'âme de ses disciples. Mais si c'est le cas, je crains qu'il ait fait une erreur sur la méthode employée. A mon avis, Pim est probablement ce qui se rapproche le plus de l'idéal de Sari avait au début. La machine qu'il a mise au point ensuite est l'expression d'un sentiment complètement différent. Dites, capitaine. Qu'allons-nous faire de ces cristaux d'âme? Il ne faudrait pas qu'ils tombent entre les mains de quelqu'un de mal intentionné comme l'était Tristan. Dans ce cas, je vous propose que je les avale pour les garder à l'abri jusqu'au jour où apparaîtront des gens dignes de leur pouvoir. Les avaler? Comment ça? Ne vous inquiétez pas, je pourrai les recracher lorsque ce sera nécessaire. Je ne suis pas doté de fonctions digestives. Maintenant que j'ai transmis mes secrets à Pup, ce sera mon dernier devoir pour cette époque. Comment? Tu veux dire que tu vas nous quitter? Oui, il est temps pour moi de m'endormir à nouveau. J'aimerais vous dire que cette séparation me fait de la peine, mais je ne suis qu'un simple familier. Et je sais juste qu'il faut savoir pour faire ses au revoir avec un certain détachement. Ce que je peux te dire, c'est que tu auras été un drôle de compagnon jusqu'au bout, Pim. La magie invocatrice a été créée pour lutter contre les primordiaux idéalement. On n'en aura pas besoin de moi pendant très longtemps. Sur ce, adieu maître. Yamintra, Dancing Wolf. Il s'est immédiatement endormi. Enfin, c'est tant mieux, ça nous évite les adieux pénibles. De mon côté, je vais retourner à Uldar. C'était bien qu'il finisse bien. Espérons que Pim n'aura jamais besoin de se réveiller. Nous avons aussi notre rôle à jouer dans cela. Et on a du coup la trans Bahamu améliorée qui va devenir une invocation Bahamu. Vous venez de parvenir à la dernière trame de cette trame, ok. Ok, donc c'est ça qui se transforme en invocation Bahamu. On est devenu un invocateur illustre. La jauge de... Ah, j'ai une jauge de trans qui a changé. Ah oui, elle est devenue bleue. L'obtention du trait trans Bahamu amélioré remplace trans Bahamu par invocation Bahamu, ce qui permet d'invoquer un demi Bahamu pour se battre à vos côtés.
La jauge de transe indique alors le temps restant dans votre demi-Bahamut. D'autre part, lorsque vous utilisez l'invocation Bahamut, vous obtenez Arcane Ruby, Arcane Topaz et Arcane Emeraude. Ok. Enfin, tant que votre demi-Bahamut est présent sur le champ de bataille, Mega Ruin devient Pulsar Astral, Fracas élémentaire devient Brasier Astral, et Flux Astral devient Brasier de mort. Ok, bon, on va aller tester ça vite fait. Je vais prendre des ennemis qui tapent un peu quand même, histoire qu'on puisse voir un peu ce que ça donne. Une galvanisation de Bahamut, c'est nouveau ça aussi. On a demi Bahamut d'exécuter Hackmorn. On se trouve sur la cible et les ennemis aux alentours. Ok. On va aller voir ce que ça fait. Ouais, carrément. Ouais, du coup, faut qu'elle aille là, elle, oui. Ok, nice. Ok, bah, très bien tout ça. Et puis, il va être minuit, donc on va s'arrêter là. Donc, la prochaine fois, vendredi... Quand on continuera ça, juste retourner à l'IMSA. Quand on continuera ça, on commencera par faire la dernière quête Mage Blanc. On fera la fin ensuite de Stormblood et ensuite on fera la quête Machiniste. La dernière quête Machiniste. Attendez, sinon, mais on va quand même regarder la tenue qu'on a reçue quand même. À quoi elle ressemble. On va se mettre à un endroit calme avant de quitter. C'est où ce qu'on vient de recevoir là? C'est-à-dire qu'on n'ait pas eu de chapeau. Voilà à quoi ressemble la tenue, c'est pas fou. Hein. Ouais, on va garder la tenue comme ça, on va juste améliorer parce que du coup... Voilà. Ah oui, Arthur, c'est normal.
En fait, je commence à avoir trop de trucs. Pardon, ma nouvelle tenue. Par contre, ouais, j'ai clairement trop de trucs. Il va falloir que je fasse du tri là-dedans avant de faire la mission la prochaine fois. Parce que là, c'est un peu compliqué. J'ai trop d'armes, trop de choses. Voilà. Ok. Bien, puis bah écoutez, du coup, cette fois-ci, on va se laisser là. On se retrouve demain, du coup, pour tester SnowRunner. Ensuite, avec Keto, mercredi, on fera du We Were Here Forever. On va finir la deuxième run, normalement. Vendredi, on continue Stormblood avec, comme je disais, on va commencer par la quête de mage blanc pour finir le mage blanc, finir Stormblood, et ensuite finir le machiniste, c'est le programme. Et dimanche, eh ben, Elite Dangerous Odyssey, on continue notre exploration. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette soirée, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, on se donne rendez-vous demain soir. Salut tout le monde.